Ces images ont été filmées voilà 2 jours dans le massif rocheux. Il semble que les tribus de gobelins, qui n'étaient jusqu'à présent qu'un simple désagrément, ont récemment fait tomber un avant-poste fortifié. Je tiens à vous remercier d'être venu si vite. Et docteur, merci de nous accueillir tous ici. Comment ces gobelins ont-ils pu en si peu de temps passer des arcs et des flèches aux chars et aux armes à feu? Où se trouve leur base? Et que faire pour contrer cette nouvelle menace? Nous devons immédiatement envoyer une équipe sur place pour tenter d'évaluer la situation. Y a-t-il des volontaires? Le massif, c'est en plein pays gobelin, ça. Je peux vous y emmener, mais je ne garantis pas que nous reviendrons tous. Victor? Victor Industries se réjouit de pouvoir tester ses tout derniers modèles de robots de combat sur le terrain. Si cette expédition nécessite un commandement humain, elle aura toutefois besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant pour faire face aux armes des gobelins. L'équipement de combat de nos robots sera un atout indéniable pour la réussite de cette mission. D'autres volontaires, peut-être? Parfait. Ryder et Victor formeront donc notre équipe de reconnaissance. Oui, docteur? Avant que cette expédition ne soit validée, je voudrais vous présenter une de mes toutes dernières réalisations. Venez! Ryder! Lika, comment tu vas? Bien, avec le docteur, pas le temps de s'ennuyer. Hein? J'ai des trucs à faire. À plus tard. Ok. Vas-y. Vas-y doucement, mon ami. Ça va aller. Je suis fier de vous présenter ma toute dernière création, Nak. Comme vous le savez tous, notre société repose en grande partie sur ces reliques. Ces mystérieux vestiges d'une civilisation qui nous est inconnue, qui alimente nos machines et conditionne notre mode de vie. Reliques des mines souterraines. Elles alimentent nos voitures, nos avions et nos générateurs. Cette formidable source d'énergie perpétuelle a révolutionné notre façon de vivre. Cela fait des décennies que j'étudie les secrets de ces reliques et que je m'efforce de leur donner vie. Le résultat, c'est Nak, une créature qui vit, qui pense et qui respire. Comme vous le voyez, Nak peut atteindre une taille phénoménale.
Maintenant, rétrécis pour te faufiler dans ce conduit. Mes compliments, docteur. Vous l'avez appelé Nak, c'est bien ça? En fait, c'est moi qui ai choisi ce nom. Mes compliments? Il a l'air un peu fragile, je trouve. Avec les gobelins, nous ferons face à des adversaires bien plus dangereux que ces tas de boulons paresseux. Où voulez-vous en venir exactement, Victor? Eh bien, j'ai amené quelques-uns de mes robots. Si Nak parvient à avoir le dessus, je reconnaîtrai qu'il a sa place dans cette mission. C'est possible. Je vous propose d'aller dans le jardin. Nous aurons plus de place. Alors, vous croyez qu'il sera à la hauteur? Nous allons vite le savoir. Au suivant. Pardon. Eh bien, Victor, vous me trouvez encore fragile? Ce cher docteur va finalement se joindre à nous. C'est ce que vous voulez, non? Et surtout qu'il vienne avec Nak. Quelle fabuleuse démonstration, docteur. Oui, Nak doit faire partie de cette expédition. Charlotte aurait sûrement adoré Nak s'il était encore des nôtres. Allez, Doc, allons-y. Plus vite, mon garçon, le temps presse. Au fait, Doc, c'est gentil de veiller sur mon neveu. Il a grandi si vite. Franchement, Ryder, c'était plus simple quand il était petit. Maintenant, il veut tout savoir sur tout, et pourquoi ci, pourquoi ça. Des fois, je trouve ça usant.
Vous devriez faire une pause. Et si je le prenais avec moi quelques jours? Oh, avec joie, oui. Lucas, c'est juste toi et moi, mon grand. Les traces des chars gobelins devraient être encore visibles. Ouvrez l'œil, surtout. Cher Nak, que l'aventure commence! C'est parti. Allez, Charlotte, porte-nous chance. Là, à droite, je vois les chars. C'est l'ancienne mine du massif. Elle est gigantesque. Les tunnels courent sur des kilomètres. Impossible de savoir ce que fabriquent les gobelins. Faut atterrir et aller explorer ça à pied. Ils ont barricadé l'entrée de la mine. Il faut qu'on trouve un autre accès. Je crois qu'on ira plus vite en se séparant. Vers le nord, l'est et l'ouest par la forêt. On prend la forêt. Viens, Nak. Sois prudent, Nak. Ces bois fourmillent de créatures dangereuses. Docteur, j'ai trouvé un autre accès à la mine. Bien joué, Nak. Ne bouge pas, j'arrive. Ils ont creusé ces tunnels il y a un siècle, dans le seul but de trouver des reliques. Ils en ont extrait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui, cette mine est pratiquement épuisée. Curieusement, on trouve toujours des reliques dans ce genre de bâtiment. Enfin, s'il s'agit bien d'un bâtiment. Il n'y a pas de porte. Aucun humain ne pourrait vivre ici. Le char des gobelins. On est arrivé avant eux. Je crois que la route supportera pas longtemps ce poids. Thank you.
Ah, une salle de commande. Mais il n'y a plus aucune relique dans ce générateur. Bougez pas, Doc. Je vais vous allumer la lumière. Allons-y. Ah, voilà un spectacle intéressant. Est-ce que tu sais que je t'ai découvert dans une grotte comme celle-ci? Tu vois ce piédestal? Quand on trouve une grotte, quasiment à chaque fois, il y a un piédestal dedans, sans rien dessus. Mais une fois, oh, c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé une grotte qui était différente. On dit que ces lieux étaient pleins de vie jadis, que les reliques y voltaient telles des oiseaux. Mais personne n'en avait jamais été témoin. Jusqu'alors, sur le piédestal, se trouvait un orbe autour duquel tournoyait une constellation d'éclats dorés rouges et bleus. J'ai tendu la main, je ne sais même pas pourquoi, et l'orbe est venu à moi. Il m'a fallu des années pour percer les secrets de l'orbe et en multiplier par 100 les pouvoirs. Mais j'ai fini par résoudre l'énigme. Tu en es le résultat. Hé, hey, allons jeter un petit coup d'œil, hein? Reculez. Ça va, Doc? Impeccable. C'est bloqué. On va devoir revenir en arrière. J'ai entendu du bruit par ici. Tout le monde va bien. Vos robots nous ont attaqués! Vraiment? Ils ont dû vous prendre pour des gobelins. Je suis désolé. Je vais revoir leurs paramètres. C'est inutile, Victor. J'en ai profité pour récupérer des reliques. Et je n'en suis pas si mécontent au bout du compte. Il y a un courant d'air par là-bas. On devrait aller voir.
C'est vraiment stupide de s'aventurer dans une mine sans renfort. Qui sait ce que l'on peut rencontrer? Des gobelins, des gardiens. Les plus fabuleux trésors ne s'acquièrent pas sans risque. J'ai commencé par créer des robots d'extraction. C'est tellement plus simple d'aller chercher des reliques quand on dispose d'une puissance de feu supérieure. Ensuite, j'ai conçu des robots de sécurité. Le concept de base est le même, mais les équipements sont quelque peu différents. Allez, repos. On y est. C'est le repère des gobelins. Ryder, vous me recevez ? 5 sur 5, Doc. On a trouvé un village gobelin, celui qu'on cherchait. Retrouvez-nous à environ 10 km au nord de notre point d'atterrissage. Bien sûr, à plus tard. C'est tout ? Il ne sait pas comment franchir la mine. C'est un pro, il arrivera avant nous, même s'il est obligé de grimper au sommet de 5 montagnes. On y est presque, Nak. Je suis prêt. J'ai convoqué le reste de mes troupes. Je vous retrouve devant le village. Nak, tu veux bien remettre en marche cet ascenseur ? Le village gobelin est de l'autre côté de ce lac, au sommet de la falaise. Nous y sommes presque. On y est presque. De là-haut, on pourra voir la forteresse des gobelins. Tu sais, peut-être que je devrais passer un peu plus de temps à faire du sport. Et un peu moins à inventer des choses dans ton genre. C'est un mystère. Je vois les chars, mais je crois pas qu'il y ait d'installation métallurgique dans le coin. Impossible qu'il soit fabriqué ici. Je vois que la porte est ouverte. Allons jeter un coup d'œil. Quoi ? Je veux tirer tout ça au clair. On ne risque pas d'apprendre quoi que ce soit en restant planté ici. Lucas, reste ici jusqu'à ce qu'on vérifie qu'il n'y a pas de danger. Nak, tu le surveilles. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Ils doivent s'attendre à ce qu'on vienne. T'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Ah, je capte une grande quantité de reliques par là. C'est sûrement le butin volé à l'avant-poste. Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire dans mon village? Vous avez attaqué une forteresse humaine. Vous pensiez que cela n'aurait pas de conséquences? Des conséquences? La conséquence, c'est que j'ai des tas de reliques de pierres solaires et un joli butin. Plus quelques invités surprises. Vous n'êtes pas très nombreux. C'est suffisant. L'équipement de combat de ces robots est tout à fait capable. Ces chars sont de véritables chefs-d'œuvre de technologie. Nous nous demandions... Comment je les ai eus? C'est ça que vous voulez savoir? Je ne dirai rien. Mais puisqu'il vous intéresse tant que ça,
je vais vous les dévoiler. Un peu plus. Fermez les portes! Il y a une autre entrée. Et aucun char en vue. Ouais, mais il y a quand même un paquet de gobelins. Et pas des petits. J'ai une idée. Tu vois ces morceaux de stalagmites? Et si tu t'en servais pour t'amplifier, comme des reliques? Elles ont l'air de la bonne taille. Le docteur dit que ça peut pas fonctionner. L'énergie arcanique de ton orbe thoracique ne peut interagir qu'avec les matériaux hyper denses des reliques. Le docteur, hein? Moi, je dis qu'il faut essayer. Ça coûte rien. Voilà, y a rien qui bouge. Celle-là a bougé. Ah bon? Ok. Classe! Oh, ça me fait des frissons. Il m'en faut plus. C'est mon nouveau look. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air féroce. Je me sens féroce. Mais il ne faudra pas que je traîne une fois dehors. En moins d'une minute, la chaleur du soleil me fera fondre jusqu'à ma taille d'origine. Bah, une minute, ça pourrait suffire. Tu vois les trois barres sur la porte? Et le mécanisme qui les contrôle? Ce sont tes cibles. Compris. Thank you.
Ce bâtiment est surveillé. Je me demande si c'est là qu'ils entreposent les reliques et tout leur butin. J'espère. On n'a pas récupéré grand-chose encore. Je te retrouve là-bas. Tu vas devoir prendre le chemin le plus long. Dommage. Attrapez-le! Un golem fait de reliques. Oh. Un deuxième round, ça te dit ? Je vais m'en occuper moi-même. Nak, t'es monstrueux. T'as vu ça? Allez, suis-moi. Il faut retrouver les autres.
J'ai amené de l'aide. Aux escaliers. On se retrouve au sommet. Merci du coup de main, Nak. J'ai pas conçu les chars, mais celui-là est bien à moi. Je l'aurais jamais deviné. J'espère qu'il est plus solide qu'il en a l'air, ou ça va être du gâteau. Prépare-toi à être vaincu. Beaucoup plus pour me battre. Prépare-toi à courir. C'est tout ce que tu sais faire? Tu veux de la puissance? Je vais pas te décevoir. T'es grand, mais faible. Allez, dis adieu. Je me sens mieux. La paix est rétablie. Nous allons pouvoir revenir à des affaires plus importantes.
La paix, mais quelle paix, hein? Vous nous avez chassés de nos villes, exilés dans les montagnes. Vous pensiez qu'on y resterait à jamais? Ah! Ces gobelins, toujours à vivre dans le passé. Dois-je vous rappeler qui est à l'origine des hostilités? Bon, où avez-vous obtenu ces armes? C'est Gundar qui les a fabriquées. Et où est-ce qu'il se trouve, ce Gundar? Je dirai rien. Lui, il fait peur. Mais Gundar, c'est pire encore. Ryder, qu'en pensez-vous? Je connais bien les gobelins, croyez-moi. Et je sais qu'ils n'aiment pas les espaces confinés. Laissons-le mariner un peu. Et je vous promets qu'il nous dira tout ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui... Victor! Passez donc à la maison un de ces jours, docteur. À bientôt. Je reste avec le gobelin pour voir ce qu'il a à dire. Allez-y, récupérez mon neveu. Bienvenue, docteur. Quel honneur de vous recevoir. Par ici, je vous prie. Victor vous attend. Comment cette chose a-t-elle pu détruire 20 de nos plus puissants robots? Ne t'y trompe pas, Katrina. Il est très dangereux. Victor, pourquoi avoir enlevé mon assistant? Docteur, n'en faites pas tout un drame. Ce n'était qu'un petit tour en avion. Je voulais avoir toute votre attention. Et cela n'aurait sans doute pas été possible dans les bois. Vous oubliez notre mission! Nous étions censés aider ces pauvres gens. Nous devions découvrir d'où venaient les gobelins et les mettre une fois pour toutes hors d'état de nuire. Je me suis porté volontaire. J'ai donné de mon temps. Si ça vous intéresse tant, pourquoi ne partez-vous pas à la recherche des autres gobelins pour les éliminer vous-même? En ce qui me concerne, j'ai un projet bien plus intéressant. Venez voir. Incroyable, n'est-ce pas? Une relique pesant à elle seule plus d'une tonne. Un tel phénomène ne devrait pas être possible, il se trouve pourtant devant vous. Où l'avez-vous trouvé? Oh, j'en ai des dizaines d'autres. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de l'évolution humaine. Une ère qui sera alimentée par le pouvoir de ces gigantesques reliques. Mais pour entrer dans cette ère, il me faut Nak. Nak? Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Nak est la clé. J'ai besoin de votre protégé. Et surtout de sa coopération. Je ne veux pas d'amplification, ni de crise de destruction massive. Qu'est-ce qu'il fait? Fuyons! Nak, attends-moi. Ça, ce sont des faisceaux de protection. Regarde. Ils sont reliés à ce laser. Si on touche les faisceaux, on grille. Bon. On peut pas rester là. On est obligé de monter. Allez. Yeah!
Midnack. Choisis l'avion le plus rapide et rattrape-les. Ils sont tombés dans le bon vieux piège de l'avion télécommandé. Maintenant, allons voir ce que Victor compte faire avec ses reliques. Le truc, c'est qu'il faut d'abord passer ses faisceaux de protection. Docteur, n'oubliez pas notre mission. On ne devrait pas plutôt rejoindre Oncle Ryder. Lucas, ça suffit à la fin. Ryder n'a pas besoin de nous pour le moment. Et nous devons trouver un moyen de franchir ces faisceaux. Des idées? Ouais. Je crois que je sais comment faire. Bien. Hé, Nak, tu vois ces robots patrouilleurs? Leurs projecteurs sont alimentés par des cristaux. Il faudrait en récupérer une vingtaine. Et à quoi ça va nous servir exactement? Je vous montrerai quand on les aura. À tout de suite. C'est bien ce que je pensais, des cristaux. Nak, merci pour ton aide. Je crois que ça ira. Nak, rappelle-toi ce que tu as fait avec les stalagmites. Je voudrais que tu t'amplifies avec ces cristaux de la même façon. Oh, c'est ridicule. J'aurais jamais cru ça possible. L'énergie arcanique de l'orbe thoracique ne peut interagir qu'avec les matériaux hyper denses des reliques. Si, c'est possible. Nak, maintenant ça va être plus compliqué. Je veux que tu te concentres pour transférer toutes tes fonctions cognitives dans les cristaux. Et laisse les reliques de côté. Vous avez devant vous le Nak furtif. Impressionnant. Maintenant, franchis les faisceaux de protection et désactive-les. N'oublie pas, si les rayons te détectent, ils te détruiront. Bien joué, Nak. Comment tu te sens, Nak? Un peu comme un somnambule. C'est une sensation étrange. Mais ce moi transparent ne tient pas à être éloigné de ça trop longtemps.
Toute cette sécurité. J'ai vraiment hâte de voir ce que Victor fabrique ici. Il utilise les reliques géantes pour alimenter ce moteur. Ouais. C'est un moteur de voiture volante agrandi un millier de fois. Avec ça, on pourrait faire voler un avion long de 3 km. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre par ici. Tout cela est prometteur. On devrait pouvoir trouver quelques indices. Je pense que vous espérez surtout récupérer assez de reliques géantes pour construire quelque chose. Oui, c'est exactement ça, Lucas. C'est une fabuleuse découverte. Alors j'apprécierais vraiment que tu m'aides à trouver d'où viennent ces reliques. Eh bien, on dirait qu'il s'agit du plan d'une mine. En effet, et très détaillé. J'ai l'impression qu'il y a indiqué tous les endroits où il a trouvé une relique. Plus il progressait, plus il en trouvait. Jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué par cette porte. Oh, quelle frustration ça a dû être pour lui. Trouver assez de reliques pour construire cet énorme moteur et devoir tout laisser en plan. Docteur? Oui, Enak. Je pense être la clé. Ouais, c'est ce qu'a dit Victor. Non, je suis réellement la clé. Regardez les cavités de la porte. Elles ont chacune la forme de l'un de mes membres. Voilà mon torse, et là ma tête. Victor pense que je peux ouvrir cette porte pour lui. Il ne reste donc plus qu'à découvrir où est la mine. C'est la mine de Trogdo. Hein? Oui, c'est ça, regardez. Le château de Victor est là-haut, juste à côté. C'est formidable. Oui, il faut se mettre en route tout de suite. Nous avons rattrapé l'avion et l'avons forcé à atterrir, mais il était vide. Il était piloté à distance. Méfiez-vous, nous pensons qu'ils sont encore quelque part. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, Victor? Semer le chaos uniquement pour construire un avion plus grand? Alors, vous avez vu le moteur. Impressionnant, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est rien de plus qu'un simple jouet. Malgré leur puissance, les reliques dont je dispose ne me sont pas très utiles. Mais très vite, j'en aurai un nombre illimité. Et je réaliserai alors mon grand projet. Quoi ? La conquête du monde ? Oh non, ce serait d'une banalité. Mais docteur, pourquoi êtes-vous là ? Votre curiosité ne serait-elle pas un peu titillée ? Vous devriez être dans le village gobelin avec Ryder pour essayer de découvrir où ces répugnantes créatures ont trouvé leurs armes. Mais vous êtes ici. Vous mettez votre nez dans les affaires des autres. Ça me rappelle le docteur d'autrefois, celui que Charlotte n'avait pas encore dompté. Je vous défends de me parler de Charlotte! Ça suffit. Victor, si vous faisiez vos valises, c'est le moment de prendre des vacances. Par ici. Merci, Katrina. Les voilà qui s'enfuient.
Nous les avons mis en fuite. Il se dirige vers le toit. On réglera nos comptes une autre fois. Eh bien, on a eu ce qu'on était venu chercher. Oh, on m'a apporté mon avion. C'est gentil. Nak, Lucas, embarqué. On va faire un tour à la mine de Trogdo. Impossible de joindre Ryder. Donc, si on résume, votre idée, c'est qu'on entre discrètement par une entrée désaffectée, qu'on marche, toujours discrètement, sur plusieurs kilomètres dans des tunnels en activité, jusqu'à une porte que Nak nous ouvrira. Oh, et on n'a aucun moyen de dire à Ryder où on est ni ce qu'on va faire. Ouais, c'est bien résumé. Quant à établir le contact avec Ryder... As-tu déjà vu un de ces dispositifs? C'est un holobot? Exactement. Où que soit Ryder, l'holobot le trouvera. Ryder, nous avons réussi à récupérer Lucas. Mais Victor mijote quelque chose de louche. Nous allons aux mines de Trogdo vérifier tout ça. Ha! Maintenant, on descend. Je suis pas descendu depuis des lustres. Voyons voir ce que Victor a fait de cet endroit. Araignée ! Ah ! Nous avons atteint la partie active des mines. Tu vois ça, Lucas? Ça, c'est une vraie mine d'extraction de reliques. On retire la terre, on dégage les cubes, on extrait les reliques. La famille de Victor l'exploite depuis plus de 100 ans. Ils servent à quoi, ces champs de force? Eh bien, quand on prélève les reliques, on provoque la colère de certaines choses. T'éloigne pas, et espérons que tout ira bien. Attends.
Il y a un gardien là-bas. C'est bon, je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Tiens donc. Alors, d'où tenez-vous vos armes? Ça se passe toujours pareil. On récupère les reliques et régulièrement Gundahar vient avec son vaisseau pour nous les échanger contre des armes. Voilà, c'est ça notre marché. Je ne sais pas d'où il vient, mais on l'attend, c'est tout. C'est quel genre de vaisseau? C'est pas facile à décrire, mais regardez donc par vous-même. Oh non. Eh bien, que s'est-il passé ici? Et maintenant, l'instant de vérité. Ah! Victor disait vrai. Des reliques géantes. Des milliers de reliques géantes. Dak, à toi de jouer. Ouvre la porte. Je ne suis pas la clé. Alors c'est quoi? Vous êtes si prévisible, docteur. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Il nous suffisait d'attendre qu'il vienne à nous. Eh bien, voilà qui est très fâcheux. Moi qui espérais enfin franchir cette barrière. Et donc, que comptez-vous faire? Vous m'avez prouvé votre habileté en arrivant jusqu'ici, docteur. J'espère que nous pourrons joindre nos efforts pour réussir à franchir cette satanée porte. Mais Nak, si tu n'es pas la clé, tu es trop dangereux pour que je te laisse vivre. Abattez-le.
Rouge, c'est bon? Non, ça craint un max. On ne pourrait pas en discuter. Vous serez logé ici le temps que tout soit réglé. Une superbe chambre, avec la plus belle vue du château. Étions-nous vraiment si prévisibles, Katrina? Oh que oui, docteur. Vous savez quoi? Ça m'attriste de voir quelqu'un avec autant de talent gaspiller son énergie à fabriquer un toutou incontrôlable. Mais Victor, lui, voit loin. Ouvrez bien grand les yeux. Le monde est sur le point de changer et c'est à lui que nous le devrons. Pour tout vous dire, j'espère que la chambre vous plaît, parce que vous n'en sortirez pas avant d'avoir changé d'avis et accepté de coopérer avec Victor. Oh, et Lucas, tu as perdu ça dans toute cette pagaille, fais-y attention à l'avenir. Ah, Charlotte me manque tous les jours, tu sais. Elle me rendait vraiment meilleure. Elle m'empêchait de me fourrer dans des situations impossibles. Lucas, désolé de t'avoir entraîné dans tout ça avec moi. Ouais, moi aussi. Elle est morte depuis combien de temps? Oh, ça fait presque 20 ans. Bien avant ta naissance. On avait conçu une voiture ensemble.
Cette voiture, c'était la perfection technologique. Avant la fin du projet, nous étions tombés amoureux. Et puis, nous avons découvert ensemble l'orbe de Nak. Ça faisait des années que j'explorais des grottes à la recherche de reliques. Je voulais tout savoir sur leurs origines. Et un jour, Charlotte m'a accompagné. Et nous avons fait une découverte extraordinaire. Quelques minutes après, le sol s'est mis à trembler. C'était un de ces énormes séismes comme il en arrive rarement. Charlotte ! Elle est tombée dans un gouffre. Je l'ai cherchée pendant des semaines. J'ai jamais retrouvé son corps. Et vous n'êtes jamais retombé amoureux ? Impossible. Elle était belle, talentueuse, intelligente. Tu sais, j'en ai parlé à personne, parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour un fou. Mais quand je pense à ces inventions, comme cette voiture, et que je vois les armes et les chars des gobelins, oui, je sais, c'est idiot, mais je vois des similarités. Eh bien, si c'est ce que vous pensez, je vous crois, mais comment ? On se promène tout seul en pleine nuit. C'est dangereux, tu sais. Je suis plus petite que toi, mais bien plus agile. Vous voilà exactement où je voulais. Bon, à qui le tour ? Dites, il ne fait pas trop frais pour se promener ? Bon, ça convient sûrement à la reine des glaces. Vraiment très drôle. En fait, il fait très chaud. Nous avons allumé des feux pour nous amuser. Oh, oui, j'ai vu ça. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire où trouver le docteur et Lucas ? Aux dernières nouvelles, Victor leur offrait l'hospitalité. Désolée, je dois y aller. Le travail !
Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ça, Ryder, c'est la source de tous nos ennuis. Victor a découvert une trentaine de ces reliques géantes au fond de la mine. Il a de grands projets pour elles. Le docteur s'y intéresse aussi. Alors, savez-vous d'où les gobelins tenaient leurs armes ? De qui ils les tiennent ? Oui. Il s'agirait d'un grand Manitou gobelin appelé Gundar. Par contre, où ils se les procurent, sachez pas. Il y aurait une usine quelque part, mais avec toutes ces troupes armées, ça risque d'être dur de s'en approcher. Si seulement on pouvait construire un émetteur qui ressemblerait à une relique. On ferait en sorte que les gobelins le ramassent au cours d'une razzia. Et alors on pourrait les suivre sans problème jusqu'à leur base. Ok. Allons chercher le docteur. On tombera peut-être sur notre petit ami en chemin. Je suis malin quand même, hein? Ouais. Beau travail, Nak. Je croyais que vous étiez parti sauver mon neveu. En fait, on vous a capturé. Eh bien, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Merci pour le coup de main. C'est à lui que vous dites merci? C'est moi qui ai tout fait. Nak, tu es vivant! Vous nous quittez déjà, docteur. Ah, attendez-moi, je reviens tout de suite. Dommage que Victor n'ait pas pu rester. Je sais que ça lui aurait plu. Restez donc un moment. C'est un réel plaisir d'avoir le docteur comme invité. Stoppez-le. Élimine-le. Détruisez Nak. Ah, fichu bonne femme. Ah, ça ouais. Dites, ça vous dirait de venir passer quelques jours chez moi à Monteverde? J'ai une idée dont je voudrais vous parler. Lucas n'a pas l'air d'avoir été affecté par son kidnapping. C'est un dur. Au fait, vous avez découvert ce que voulait Victor ? Oh oui ! La clé de cette porte, derrière laquelle se cache un trésor fabuleux. Des reliques géantes dont la taille et la puissance sont 100 fois supérieures à tout ce que nous connaissons. Celui qui l'ouvrira pourra faire ce qu'il veut. Apporter la prospérité au monde ou le dominer. Mais la porte est fermée. Et nul n'en a la clé. Quoi ? Cette porte ? Oui.
Et je l'ai vu, moi. Enfin, j'en ai vu une représentation. Vous vous souvenez de mon expédition en solitaire dans les ruines du désert ? Non. Bon, dans un des temples que j'ai trouvé, il y avait une fresque couvrant un mur entier. Et au milieu de cette fresque se trouvait cette image. Il y avait d'autres indications ? Je m'en souviens pas, en fait. Mais je peux vous y emmener, si vous voulez. Bon, il va falloir se préparer un minimum avant, sauf si vous êtes d'attaque pour escalader une falaise de 300 mètres de haut. Je sais comment localiser leur base. Ah ouais? Il suffit de faire en sorte qu'ils récupèrent un objet muni d'un émetteur. Suivez-moi à l'intérieur. Nak, fais en sorte qu'on nous dérange pas. Non! Hey! Par ici! Bien joué, Nak. Regarde ça. Ces émetteurs ressemblent vraiment à des reliques. Bon. On en a fait assez? J'espère bien. Allons les éparpiller en ville. Et Lucas, reste ici et fabrique-en d'autres. On pourra en avoir besoin. Nak, suis à la trace. C'est sûrement la flotte de Gundar. À mon avis, il est du genre à effectuer ses pillages en personne. Ryder, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils ont l'air de vouloir s'installer ? Non, j'en ai pas l'impression. Ils récupèrent des reliques et des pierres solaires avant de lever le camp. Doc, allons déposer les émetteurs en espérant qu'ils en ramassent un. Nak, fais en sorte que la ville ne finisse pas en ruine. D'accord.
Ryder, j'ai besoin de votre avis. Si vous construisiez un char, vous y ajouteriez des ailerons? Non. Alors dites-moi, ça veut dire quoi tout ça? Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part? La voiture de Charlotte? Exactement. On dirait que quelqu'un réutilise les travaux de Charlotte pour en faire des engins de guerre. On posera la question à Gundar quand on lui aura mis la main dessus. Continuons. Ton enthousiasme est louable, mais risque fort de ne pas être suffisant face à 2 tonnes de métal et de pierre. Je veux être certaine que ma prochaine rencontre avec Nak soit la dernière. Les gars de la division recherche et développement pourront sûrement t'aider. Viens, suis-moi, je vais te montrer quelque chose qui va te plaire. Ce qui me dérange, c'est qu'il s'est montré plus fort que moi, mais aussi plus malin. On verra ce qu'il fera face à une arme surpuissante. Victor, vous savez parler aux femmes, vous. Tout ce que je veux, c'est trouver le moyen d'ouvrir cette porte. Oh, à ce sujet, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Je vais vous expliquer. Vas-y, ramasse-le. Ramasse-le. Oui. Ils l'ont pris. On va les suivre jusqu'à leur base, maintenant. Messieurs, je me charge du reste. On compte tous sur toi, mon grand. Je me demandais quand tu allais te montrer. Tu es Gundar? Oui. J'étais moi aussi impatient de te rencontrer, Nak. Tu n'es pas humain. Pourquoi travailles-tu pour eux? Mais je ne suis pas un gobelin non plus. Non. Mais tu aimes la destruction, je le sais. Et je peux t'aider à assouvir ce besoin. Viens, rejoins-moi. Je deviens immense. Je détruis. C'est dans ma nature. Mais ce que tu fais, toi, ça, c'est abject. Te rejoindre. Jamais! Thank you.
Alors, tu as gardé le meilleur pour la fin. Bien. Tu veux que j'attende pendant que tu t'installes aux commandes? Je te préviens, je ne suis pas d'humeur très patiente. Tu as tout faux. Il n'y a rien à commander. Cette unité de combat est entièrement autonome. Je n'ai qu'un seul ordre à lui donner. Alors tu vas pouvoir profiter du spectacle pendant que je réduirai ce gros tas de ferraille en miettes. Tue-le! C'est parti, les amis! Comme vous dites. Nak, il est temps d'achever cette mission. Allons détruire leur armée. Enfin, ce qui reste de leur armée. Quand vous en aurez terminé avec Gundar, rejoignez-nous dans les ruines du désert pour trouver cette fameuse fresque. Allez, Lucas, on a une expédition à préparer. Des canons anti-aériens! Impossible d'atterrir. Je vais essayer d'arrêter l'avion juste au moment où on atteindra la falaise. Merci, Charlotte. Nak, devrait pouvoir réparer le moteur, mais on va avoir du mal à démarrer à nouveau. Essaie de voir si tu peux trouver des reliques. Je vais avoir besoin que tu deviennes le plus grand possible. Hey, docteur, vous avez vu ce garde? Ouais, c'est fascinant.
Les gobelins ont réussi à relier une interface automatique à sa matrice neuronale. Ça leur permet de le contrôler? Oui, oui. Ça aussi. Mais vous avez remarqué l'énorme caisse de reliques qu'il porte? Vous vouliez que je devienne très grand, non? Si je mets la main sur ces reliques, je vais vous épater. Katrina, quand tu as suggéré de laisser le docteur trouver la clé pour nous, j'étais pour le moins sceptique. Mais tu me dis qu'ils ont un indice? Incroyable, non? Ça fait des années que nous la cherchons, et ils la trouvent en quelques jours. On devrait peut-être les retrouver. Inutile de se précipiter. Laissons-les faire le sale boulot. Nous prendrons le relais juste avant qu'ils ne mettent la main dessus. Et cela vous laisse le temps de terminer votre petit projet. Docteur, ce chemin mène à des grottes. J'y trouverai peut-être des reliques. Bien sûr. Et n'oublie pas, il va falloir que tu vises. Voilà, en taille XXL. Ça avance, le moteur? Ça y est, presque. Ça a l'air bon. Prends l'avion, dépêche. Ok, je crois que je connais la suite. C'est ça. Lance-le. Vous êtes sûr de vous? Allez, vas-y! Nous ne sommes plus très loin. On va faire ça doucement cette fois.
Compris. Ryder et Lucas sont déjà arrivés aux ruines. Quand on aura fini ici, on ira les rejoindre. Hé, Nak, tu veux bien aller voir si tu peux ouvrir cette porte ? Bon, ça nous a pris un certain temps et ça n'a pas été de tourpeau. Mais on y est arrivé. Notre objectif maintenant est de détruire complètement les usines de Gundahar ainsi que toutes ses réserves d'armes. Alors, par où veux-tu commencer ? Peut-être... par celui-là. Ah, parfait. J'ai bien l'impression que cette usine fabrique des pièces d'armes. Pas mal du tout, Dak. Attention, Dak. Cet aimant peut arracher toutes les pièces métalliques que tu viens de trouver. Bonjour, docteur. Charlotte ! Comment ? Tu m'as cru morte et tu m'as lâchement abandonnée. Hein ? Quoi ? Après ma chute dans le gouffre, les gobelins m'ont trouvée et amenée à leur chef, Gundahar. Il m'a aidée à me rétablir. Enfin, autant que possible, cette jambe me rappelle chaque jour cette tragédie. Charlotte, je t'ai cherché des semaines entières. Si je ne t'ai pas trouvé, c'est parce qu'il t'avait déjà emmené. C'est toi qui le dis. C'est la vérité. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Gundahar avait besoin de moi et je n'ai pas hésité. J'ai d'abord amélioré leurs armes et leurs armures pour que sa tribu puisse se défendre face aux autres tribus rivales. Mais peu à peu, j'ai conçu d'autres engins. Est-ce que tu sais que les armes que tu as construites ont été utilisés contre les humains? Je l'ai su après. J'imagine qu'après avoir éliminé la menace des tribus ennemies, Gundahar a vu une possibilité de se venger des humains pour la guerre du cristal. J'ai tout arrêté dès que je l'ai appris.
Charlotte, je suis vraiment désolé pour tout ça. Mais qu'importe le passé, nous sommes à nouveau réunis. Je t'en prie, nous n'avons plus beaucoup de temps. Viens avec moi. Non. Quoi ? Mais pourquoi ? J'ai causé trop de souffrance et de destruction. Je ne peux plus retourner dans le monde des humains. Dis pas de bêtises ! Non ! Je vois. Si jamais tu changes d'avis... Je t'en prie, appelle-moi. Où que je sois à ce moment-là, je viendrai. Je te le promets. Adieu, docteur. Vous allez devoir rester à distance ou vous vous ferez électrocuter. J'ai une idée. Je vous rejoins en haut de cette colline. C'est là qu'on trouvera Gundar. L'électrocution me semble un sort enviable. Charlotte ne m'aime plus. Écoutez, je ne suis pas humain. Mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, éloignez-vous bien avant le début des festivités. Ok, ok, ok! C'est bon, j'y vais! Allez! Je sais bien que je suis un... J'ai perdu l'amour de ma vie. Nak! Tu as détruit la moitié de mon armée à Montée Verdée. Je suppose que tu es venu finir le travail. Pourquoi? Vous me le demandez? Vous avez détruit leur forteresse et envahi leur ville. Et pourquoi? Pour des pierres et des reliques. Nak, je ne veux que la justice. Aujourd'hui, les gobelins vivent comme des bêtes dans les forêts et les montagnes. Mais avant la guerre du cristal, nous avions des villes et une civilisation. Ce que je veux, c'est seulement les retrouver. Et moi, je suis venu te montrer que les gobelins ne peuvent attaquer impunément les humains. Ils se servent de toi ! Ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils nous écrasent. Détruis ce monstre. Thank you.
Oh, toutes ces armes. Elles doivent disparaître. Pas si vite. C'est bon, je vais. Et maintenant? Je me demandais si ça marcherait. En 20 minutes à peine, votre créature a détruit ce que j'avais mis 20 ans à bâtir. Aimez-vous tant que ça la destruction, docteur? Si elle peut mener à la paix, oui. Sans équivoque. La paix ne durera pas, même si je suis vaincu. Les gobelins se rebelleront contre les humains. Vous ne pourrez pas empêcher la révolution. Non, mais elle sera retardée. L'organisation du monde doit être revue, oui, mais sans passer par la violence. Vilain gobelin. Vous me reverrez! Ça, j'en suis certain. Mais le temps qu'ils refassent des réserves, nous sont tranquilles un bout de temps. Bien. Allons chercher cette clé. Il ne m'écoute jamais. Le docteur écoute rarement qui que ce soit. Ne le prends pas personnellement. Est-ce que... il t'a déjà parlé de tes parents? Non. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il s'occupait de toi et pas moi? Bah, c'est pas compliqué. T'es jamais là. C'est vrai. Je ne serais vraiment pas un bon père. Toujours par mon et par vous. Lucas, tu crois que vous vous disputez tout le temps. Mais avec ma petite sœur, ta mère, je veux dire, c'était carrément autre chose. Quand ils travaillaient ensemble, elle passait son temps à le contredire sur tout. Mais... ce que je veux dire, c'est que tu tiens vraiment d'elle, pour l'intelligence. Mais pas seulement. Quand tu t'opposes au docteur, que tu l'obliges à réfléchir à ses actes, je suis vraiment fier de toi. Mais il faut pas le juger. Il est comme il est, tu sais. Tu es fier de moi? Très fier. Bon, dépêchons-nous de finir et allons dormir. La journée va être chargée demain. Bonjour. C'est fait. Nak a détruit l'usine de Gundahar et les armes en stock. Nous allons pouvoir nous consacrer à cette histoire de clé. Et nous avons retrouvé Charlotte, vivante. Quoi? Elle est vivante et elle ne veut plus de moi. Vivante, c'est impossible. Il s'est passé quoi là-bas? Je vous expliquerai ça une autre fois. Alors, où se trouve cette fresque? Eh bien, le chemin traverse les ruines et monte jusqu'en haut de la falaise. Mais c'est pas de tout repos. Ce matin, Lucas et moi, on est allés faire quelques installations. Parfait. En route. Y a pas de temps à perdre. D'après ce que je sais des gobelins, faites-moi confiance, on risque d'en trouver un sacré paquet dans un endroit pareil. Vas-y, monte, mon grand. Attention de ne pas tomber.
C'est là-bas que nous allons. Et donc ? Cette falaise, je l'ai déjà escaladée à main nue. Mais c'est pas votre style. Alors, j'ai imaginé un petit dispositif pour vous aider. Bon, c'est pas des ascenseurs. Les plateformes ne montent que si on en descend. Alors, il va falloir se bouger un peu. Ce sera comme si vous deviez monter un très long escalier, vous voyez ? Résonance magnétique ? Possible. En tout cas, quelque chose dans ces rochers dérègle les plateformes. Soyons prudents. Vous êtes vivant ? Oui, j'ai survécu à l'attaque. Mais tout notre travail a été détruit ! Vous êtes le seul responsable ! Vous n'auriez jamais dû utiliser ce que j'ai créé contre les humains ! Ce sont eux les oppresseurs ! Et en refusant de poursuivre, vous nous avez condamnés ! Avec des armes plus puissantes, nous aurions pu triompher ! Avec des armes plus puissantes, Monteverde ne serait plus qu'un champ de ruines fumant ! En vérité, vous vous servez de moi pour exterminer tous les humains ! Charlotte ! Les humains sont nos ennemis héréditaires. Si vous êtes en vie, c'est parce que vous nous avez aidés. Mais je ne m'arrêterai que lorsque tous les humains seront anéantis. Vous nous avez aidés, je ne vous ferai pas de mal. Mais si vous refusez de reconstruire nos usines, je ne pourrai plus vous protéger. Docteur, il faut m'aider. Par pitié. Dernière étape. Tenez bon, Doc. Joli plongeon, Ryder. Je pensais pas que vous réussiriez. Eh bien, quand il faut, non ? Ça va, Doc ? On est plus très bon. Votre porte est ici. Et voici la vraie clé, juste à côté. Nak, je crois qu'elle ne te ressemble pas vraiment. Ça, c'est sûr. Et derrière cette porte se cache un trésor. Des dizaines de milliers de reliques géantes. Il y a une inscription ici. C'est un avertissement. Ça dit qu'un immense danger nous attend derrière cette porte. Ça parle aussi d'une grande transformation, mais je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Le reste est effacé. Pas tout à fait ce qu'on espérait, hein. Quelle idée de génie d'avoir mis un micro dans le pendentif du gamin, Katrina. Cette carte indique l'endroit où se trouve la clé. C'est une sorte de labyrinthe.
J'ai placé la clé dans un labyrinthe que j'ai conçu moi-même, dans l'espoir que seul un être assez sage pour l'utiliser à bon escient puisse trouver la sortie. Victor, je crois qu'il parle de vous. Oui, mais où est-il? Le labyrinthe se trouverait sous le mont de l'obélisque. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-dessous. Bon, combien de temps il faut pour nous y rendre? Quoi? Vous voulez y aller? Bien sûr! Nous n'avons pas le choix, il faut récupérer cette clé avant Victor! N'aie pas peur, je serai prudent! Oh, vous serez prudent! Une première! Quand vous avez décidé quelque chose, vous n'en faites qu'à votre tête. Et même si c'est de la folie, personne n'essaie jamais d'arrêter le célèbre docteur. Lucas! Ryder, vous m'empêcheriez de faire quelque chose de vraiment insensé, n'est-ce pas? Évidemment. Allez, Doc. Prêt à grimper? On est presque arrivé. Je vais commencer à chercher un endroit pour se poser en douceur. Trop tard. Ils sont déjà là. C'était pour ça, le moteur. Ce truc fait presque 2 kilomètres de long. Tac. Il faut sécuriser l'entrée. Tu dois sauter. Tu es prêt? Vas-y! Bon, on y est. On dirait qu'ils essaient d'entrer par la force. La finesse, c'est vraiment pas leur truc, hein, Doc? Maintenant, avançons vers l'inconnu. Voilà la clé et la porte. Lorsque la clé aura servi et que la porte sera ouverte, les montagnes s'élèveront plus haut que les nuages, ha! Et la face de la Terre sera changée à jamais. Hé, hey, c'est quoi ce charabia? Thank you.
On a de la compagnie. Il faut se dépêcher. La clé ne doit pas tomber entre leurs mains. Vous êtes tenace, docteur, je dois le reconnaître. Victor! Et il a des amis prêts à lui venir en aide. Je crois que nous en sommes à 2-1. On continue la partie? Nous pourrions continuer longtemps. Non. C'est la dernière bataille, nous y sommes préparés. Si ces robots ne t'anéantissent pas, alors ceci le fera. C'est une sorte de relique empoisonnée. Elle perturbe l'énergie arcanique qui relie les parties de ton corps. Nous ne savons pas vraiment comment ça fonctionne, mais il n'est pas nécessaire de comprendre une chose pour la détruire. Vite! Dans le tunnel! Merci, Inak! Cette fois, il n'est pas question d'échouer. D'abord, apporte-moi la clé. Ensuite, détruis Nak. C'est la clé. On a devancé Victor. Nak, tu crois que tu peux sauter aussi loin? Ouais, ça devrait aller. Quand on aura ouvert la porte, avec précaution bien sûr, je pourrai enfin percer les secrets du monde. Quand on aura ouvert la porte? Docteur, vous avez pourtant lu l'avertissement inscrit sur la fresque. Tu n'as aucune idée de ce que cette clé peut représenter. C'est un vrai trésor pour la science. Oh si, je vois bien. Elle représente la fin du monde tel que nous le connaissons. Nous devons détruire cette clé. C'est insensé. Nak, apporte-la-moi. Ok. Lucas, écarte-toi de là. Non! L'inscription disait immense danger. Ça ne vous suffit pas! Hé, hey, le docteur réfléchit. Moi, j'exécute. Sauf que le docteur nous a fait capturer et a failli entraîner ta destruction. Dis-moi, Nak, est-ce que tout ça te paraît raisonnable? Pas vraiment. Alors c'est ce que je disais. Même si c'est de la folie furieuse, personne n'essaie jamais d'arrêter le grand docteur. Docteur, Lucas a raison. Oh! Vous vous mettez à deux contre moi, alors? Docteur, il vaudrait mieux laisser tomber. Vous aussi, Ryder? Vous m'avez demandé de vous empêcher de faire une chose insensée. Il y a une semaine, on ne savait rien de ces reliques géantes, et tout allait bien. Mais en ouvrant cette porte, ou si vous laissez Victor l'ouvrir, nous verrons ce que signifie la grande transformation. Je crains le pire. Vous avez raison. Détruisons-la. Nak, il faut que tu détruises cette clé avant que Victor mette la main dessus. Elle est trop dangereuse. Non. Elle est à moi. Je remets cette clé à Victor et je reviens m'occuper de toi. Docteur, faites marche arrière, vite. Je m'occupe de Katrina. On
On dirait que cet éboulement vous a déplu. Donnez-moi la grosse clé, voulez-vous? Oh, cette clé-là, je ne préfère pas, non? Prends donc ça à la place. Je ne vais pas tenir le coup longtemps. Je dois trouver d'autres reliques avant d'être réduit à néant. Cette clé est à nous! Risque de piquer un peu. Je prends la clé. Katrina, je te laisse t'occuper de Nak. Adieu, ma belle.
Préparez-vous à décoller. Ils ont la clé. Nous devons absolument la récupérer. Les cordes! Elle est encore en vie. Je vais la chercher. Nous n'avons pas le temps. Alors partez! Docteur! Allez! Non! Ne m'attends pas, Lucas! Nak! Tu dois trouver la clé et la détruire! J'ai besoin de vous. Aidez-moi. Va falloir s'activer un peu, Lucas. Nous devons sauver le monde et une dame en détresse. Le Nak furtif est de retour. Ouais. Ryder. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a l'air d'être revenu à la bonne place. Mais ça se voit. Fini la discrétion. Ils devaient être super pressés. Ils ont oublié de mettre le sol. Ah. Quelque part, il doit y avoir des dispositifs de sécurité pour les ouvriers qui ont construit ce palace flottant. Aha! Des lévitators. Ça devrait faire l'affaire. Prêt à t'envoler? Un, deux, saute! Allez, Nak! –
Le vaisseau se dirige tout droit vers la mine de Trogdo. Victor ne perd vraiment pas de temps. Intéressant. On devrait survoler le territoire de Gundahar dans quelques minutes. C'est pas loin de l'usine? Non. On sera assez loin, en fait. Sauf si je fais ceci. Prévoyez-vous d'aller chercher Charlotte? Parce que si on ne récupère pas cette clé, ça va mal tourner. Oui, bien sûr. La clé d'abord, ensuite Charlotte. Mais dépêchez-vous quand même. Après vous, docteur. Nous avons traversé le vaisseau sur toute sa longueur. La clé ne doit plus être très loin. Hé, hey, elle est là! Tout comme Victor. Finissons-en! En effet, docteur. Katrina est morte à cause de vos états d'âme ridicules. Maintenant, c'est votre tour. Il n'est pas trop tard, Victor. Nous pouvons encore trouver une solution avant que les choses tournent à la catastrophe. Il n'est pas nécessaire que d'autres meurent. Assez! Nous devons tous mourir un jour. Si Katrina avait péri en accomplissant notre rêve, alors sa mort aurait au moins eu un sens. Mais elle est morte pour rien. Et vous allez la rejoindre. Adieu, docteur. Bon, ces deux-là sont à moi. Ça alors, tu es venu? Je te l'avais promis. Des présentations s'imposent. Voici mon assistant, Lucas. Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et voici Nak. Vous n'aviez pas eu le temps de vous dire bonjour la dernière fois. Enchanté. Désolé, mon cœur, mais il faut faire vite. Le monde va disparaître si nous ne rejoignons pas très vite la mine de Trogdo. Sais-tu s'il reste des vaisseaux utilisables ici? Ça pourrait marcher. C'est le projet sur lequel je travaillais avant que j'apprenne les véritables objectifs de Gundahar. Oh, mais c'est parfait. Et je vois qu'il y a des armes. Elles nous seront bien utiles. Seulement, il reste un problème. Les gobelins ont emporté toutes les reliques, et je n'ai plus rien pour alimenter le moteur. Ça ne sera peut-être pas un problème. Nak, après toi.
il a ouvert la porte. Maintenant, on sait de quel danger parlait l'inscription de la grotte. Ouais. Il se pourrait bien que le monde soit détruit. La transformation a déjà commencé. Que faut-il faire? Apparemment, cet orbe géant est à l'origine du phénomène. Si on le détruit, peut-être que tout redeviendra normal. L'orbe géant. J'y vais. Nak! Bonne chance. Pas d'inquiétude, docteur. Comme vous le dites souvent, je suis votre plus grande création. Ça ira.
Rentrons chez nous. Oui. J'ai hâte que tout redevienne comme avant. Mon garçon, je crains que rien ne redevienne jamais vraiment comme avant. Allez, Lucas. Viens avec nous. Doucement, Nak. Ironie du sort, celui qui représentait la plus grande menace était l'un des nôtres. À présent, je voudrais remercier les trois héros courageux grâce auxquels notre monde existe toujours. Merci, Nak. Merci. Docteur. Puis-je ? Je voudrais remercier Nak pour l'aide, on peut dire, gigantesque qu'il nous a apportée. Mais je tiens également à remercier notre jeune héros pour sa sagesse. Sans sa clairvoyance, nous aurions utilisé la clé nous-mêmes et aurions péri sur le champ. Merci, Lucas. Et maintenant, ayons une pensée émue pour Ryder. Il n'a pas hésité à donner sa vie pour sauver la nôtre. Nous pensons à toi, Ryder. Où que tu sois.